quelle belle journée! Merci Seigneur pour ce beau soleil et cette nature si belle! Bonjour mon pépé, que fais-tu? Ah bonjour mon garçon! Ah vois-tu, je plante mes graines de capucine pour embellir les fenêtres! Ça a l'air intéressant. Oui, tu vois mon titou, il faut bien que je prenne soin de ces graines si je veux qu'elles deviennent de belles fleurs. Je peux t'aider pépé si tu veux, quand il faudra les arroser? Bien sûr titou, et nous allons commencer dès aujourd'hui. Tu sais, avant qu'elle devienne une belle fleur, il faut que la graine meure pour laisser place à une petite pousse qui deviendra une fleur. Et c'est long? Non, pas pour les capucines. Mais pour certaines graines, cela peut être plus long avant qu'elles deviennent une belle fleur ou un arbre. Oui, mais en attendant, il faut peut-être que tu prépares la terre. Tu as tout compris, mon garçon. Sans une bonne terre, nos graines sèchent et ne deviendront rien. Et ta fenêtre ne sera pas aussi belle. Tiens, d'ailleurs, comme j'ai fini, allons nous reposer. J'ai un DVD à te montrer. Oh, trop bien. Et c'est quoi ton film? Un spectacle de marionnettes fait par l'association Parabole. Allons regarder la résurrection de Jésus. Ah, Pépé, t'es toujours gamin, j'aime bien. Eh oui, nous sommes tous des enfants, mon titou. D'ailleurs, dans ce film, tu apprendras que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et c'est dans ta Bible, Jean 3,16. À nous rouler la pierre. Elle est si lourde. Nous n'y parviendrons jamais toutes seules. Regardez, la pierre a été roulée. Et le tombeau est vide. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit? Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes des pécheurs, qu'il soit crucifié et ressuscité le troisième jour. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus vous attend en Galilée. Je vous salue. Monseigneur. N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères ce que vous avez entendu. Venez voir, on a vu Jésus. N'importe quoi. Regardez, c'est bien vrai. Le tombeau est ouvert et le corps n'est plus là. Alors ça, c'est trop fort. Tu n'es pas au courant? Jésus qui faisait tant de choses extraordinaires est mort. Mais il paraît qu'il est revenu à la vie. Viens manger avec nous, nous en reparlerons. Merci de votre invitation, je vous suis. Merci mon père pour ce pain. Mais c'est Jésus. Nous avons vu Jésus,
Il est réellement ressuscité. Que la paix soit avec vous. Ah, ah, un fantôme. Oui, oui, oui. Mais non, c'est bien moi. Regardez mes mains et mes pieds. Avez-vous quelque chose à manger? Voilà, du poisson et du miel. C'est lui, c'est bien lui. Oh. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. C'est le plus important. Hey, hey, ho, hey, ho. Jésus est sur mon chemin. Hey, ho, hey, ho. Et il est sur ton chemin. Hey, ho, hey, ho. Saisis-le, prends-lui la main. Et tu verras que ta vie n'aura plus de fin. Hey. On a vous trompé, Jésus. Ainsi le Seigneur est mort sur la croix. Ah, mais il est ressuscité. Et il offre à chacun de ceux qui veulent croire en lui une vie abondante et éternelle. Et regarde, Pépé, je vois une petite feuille verte, c'est trop bien. C'est merveilleux de savoir que les réserves de la graine ont dû s'épuiser pour transmettre la vie à la jeune plantule. Ouais, et maintenant, cette petite fleur se fortifie à la lumière du soleil. Elle se nourrit de la bonne terre.